Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dernière information concernant le projet TapSwap. Quelles leçons retenir dans cette information? Nous allons faire une analyse pour toi afin que tu puisses comprendre. Si tu te retrouves bien sûr dans le projet TapSwap ou partage cette vidéo au maximum avec tes frères et sœurs qui sont dans le projet TapSwap et qui ont oublié le projet TapSwap. Les choses commencent par sentir. Voilà, tu as compris, non? Alors, et au même moment, je te recommande de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore un fidèle abonné. C'est l'une des rares chaînes qui t'informe 24/24, je suis celle de l'écosystème de la crypto-monnaie, bien sûr. Alors, nous allons parler rapidement de startup mining, qui est quoi? Qui est simplement organisé par l'échangeur Get.io, qui permet à certaines personnes de mettre en staking la monnaie en question ou le GT ou la monnaie de Get.io pour gagner plus des récompenses sur la monnaie. Alors, nous sommes en train de voir ici concernant la monnaie Sicon qui est en quelque sorte qui est en train de faire ce startup là. Startup mining. Il dit simplement que le total qui a été staké, presque 4 575 000 Sicon ont été stakés sur 3386 participants sur une période de 7 jours et qui aura un API de 850%. Sur 7 jours, 850%, les gars, c'est intéressant. Tu peux acheter et mettre directement en staking. Ceux qui veulent, en quelque sorte, hein, que l'argent appelle l'argent pour eux, je crois bien que c'est le moment, c'est ces opportunités-là qu'il faut apprendre à saisir. 7 jours, ça va pas te tuer ou bien. Ouais, 7 jours, ça va te tuer. Période, hein, période, c'est 7 jours. Et nous sommes en train de voir le prix, la limite de prime est de 27 335 hein, Sicon, qui est le nom de la monnaie en question. Si tu peux aller acheter sur Get.io. Si tu n'as pas encore créé ton compte sur Get.io, je vais laisser en description de cette vidéo le lien de Get.io pour profiter de ce genre d'opportunités que l'échangeur Get.io nous présente. D'accord? Et je tiens à vous rappeler aussi, l'échangeur, ce n'est pas le lieu où tu dois laisser toutes tes cryptos. Je rappelle ça toujours et toujours. C'est important. C'est très important. Alors, au même moment, nous allons parler d'une information importante concernant les États-Unis et le Nigeria. Ah, Aristide, il y a quoi concrètement concernant les États-Unis? Vous vous rappelez très bien que quand le Nigeria a donné des sanctions, quand les États-Unis donnent des sanctions aux échangeurs, au même moment, le Nigeria aussi vient parler, dit aussi pour lui. Alors, mais maintenant, il s'avère que le Nigeria va aider l'États-Unis. Et j'ai dit, le Nigeria va aider l'États-Unis. Oh, c'est le contraire. Hein. C'est les Américains qui vont aider les États-Unis. Et c'est les Américains qui vont aider les gens du Nigeria à faire une investigation sur les crypto-monnaies. Je crois bien que l'accord a été signé. Hein. Souvent, on fait les combats corps. On fait les combats, hein, les combats en quelque sorte, hein, corps à corps pour trouver un accord. C'est important. Au même moment, nous sommes en train de voir que le Bitcoin est en train de fermer on dit nouveau record de prix. Le Bitcoin, les recherches, selon les spécialistes, beaucoup de personnes ont commencé par faire des recherches sur le Bitcoin. Ça prouve que très prochainement, la surprise peut être agréable avec le Bitcoin. Alors, les gars, franchement, on va commencer par décortiquer ce qui se passe réellement et de façon systématique avec TapSwap. Nous avons tous oublié le projet TapSwap. Beaucoup de personnes ont oublié le projet TapSwap. Franchement, parce que TapSwap, c'est le grand scam. C'est le grand scam des scams, comme le disent certains. Le truc n'est pas encore sorti. C'est tout à fait normal. Je tiens à vous rappeler une chose. Je suis certain wallet du projet TapSwap et en regardant les 1 ton, les 2 tons qu'ils ont collectés, je tiens à vous dire que les gars ont bougé les tons. Les tons ont été bougés. Ils ont bougé les tons. Donc, actuellement, ils ont les tons en leur possession et ils nous disent que quelque chose se prépare à arriver. Les gars ont bougé les tons. Les gars ont bougé les tons. Ils ont bougé les tons. Les tons là qui sont actuellement, on voit qu'il est seulement 4 tons sur la balance. C'est les tons qu'on avait envoyés plusieurs fois. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on en avait plusieurs fois. Et je vois que 80... Les gars, ceux qui regardent cette vidéo, regardez très bien. Il y a des tons qui ont été envoyés sur... Il y a des tons, il y a 90 000 tons qui ont été envoyés sur... Tu as vu ou bien tu n'as pas vu? Regarde très bien. Regarde au niveau des historiques. Le 18, envoyé de tons. Quel échangeur? Le numéro et la quantité de temps qui est envoyé. C'était cette quantité-là qui était sur
Et sur l'échangeur, en quelque sorte, et sur. Et, tu as compris. Je pense que dans le groupe VIP, je vais m'expliquer. Mais ceux qui vont comprendre, ils ont déjà compris. Alors, donc nous sommes en train de voir que TapSwap, ça fait rire. Hein? Ici, là, sur ces chaînes-là, c'est l'une des rares chaînes que tu vas trouver l'information 24 sur 24, 7 sur 7 dans le concept de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que les gars de TapSwap nous disent? Les gars de TapSwap sont en train de nous dire ceci. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Et d'abord, nous sommes de retour plus fort que jamais. Ils disent qu'ils sont encore plus forts que jamais. Plus forts que jamais. Et les prochains niveaux des choses qui arriveront, vous allez les voir. Et les gars, apparemment, les gars, franchement, prenons sur le TapSwap maintenant. Non, sérieux. Ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Alors, les gars sont en train de dire ceci de la manière la plus claire pour que tu puisses comprendre. Ils sont en train de dire ceci. Lisons ensemble. Lisons ensemble ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent, l'heure est arrivée aux actualisations importantes et de façon incrime pour la communauté. Ils demandent, les gars demandent un sincère pardon. Un sincère pardon. Parce qu'ils ne sont plus actifs sur X, malheureusement. Ils sont occupés à construire la prochaine phase du projet TapSwap. Un projet totalement qui va envelopper et donner l'utilité au token de TapSwap. Et ils disent, ils reconnaissent leur erreur précédente. Leur erreur qu'ils ont commise. Les gars, j'adore les projets comme qui disent réellement qu'ils ont gaffé. L'erreur est humaine, nul n'est parfait. Tu peux me dire que toi qui me regardes, tu es parfait, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas, je ne suis pas parfait. Donc les gars sont en train d'expliquer ça clairement. Et au même moment, ils ont dit encore quelque chose qui encore devient encore intéressant. J'ai dit très intéressant. Alors, qu'est-ce que les gars disent? Les gars disent ceci. Écoute-moi, regarde très bien. Ils disent simplement que une nouvelle phase d'émotion de partenariat arrive de la façon la plus intéressante. Deuxième point, très prochainement, nous allons connaître l'équipe. Donc, l'équipe était restée dans un certain anonymat depuis un temps et maintenant, ils sont en train de nous dire que nous allons avoir l'opportunité de connaître cette équipe-là. Et je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Nous connaissons l'équipe de Blume, quelques personnes. Nous connaissons l'équipe de East Empire. L'équipe de Amsterdam, on ne la connaît pas. Mais l'équipe de TapSwap, ils vont bientôt se déclarer. Et ils disent simplement que oui, le TGE, c'est-à-dire la libération des tokens de TapSwap, va arriver très prochainement. Et leur équipe est en train de travailler sur les dernières finalisations. Et les actualisations reviendront très prochainement en ce sens-là. Alors les gars, franchement, c'est sérieux. C'est très, 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 très sérieux. Très sérieux. Et au même moment, le grand score nous dit encore que tout est maintenant prêt. Tout est maintenant prêt en quel sens? Au sens où ils sont en train de voir la longévité de vie de TapSwap pour la communauté qui va devenir très intéressante. Tous ceux qui ont dit TapSwap était de scam vont tous revenir. Écoutez bien ce que j'ai dit. Je ne suis pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais il y a quelque chose que j'ai appris. Il ne faut jamais crier perte ou victoire de si tôt en crypto-monnaie. Parce que tout peut arriver à tout moment. À tout moment, quelque chose peut arriver. Et est-ce que tu as repris les actualisations, tu as repris les choses dans TapSwap ou tu as arrêté? Si tu as réellement arrêté, je te dirais quoi? Je te dirais simplement que n'arrête pas. Moi qui te parle, j'ai arrêté parce que je n'ai pas réellement le temps de construire une vision. Je ne suis pas un maçon, malheureusement. Mais hein, je vais redevenir maçon. Je vais redevenir maçon. Et l'équipe de TapSwap va mettre des trucs en place qui va éliminer beaucoup de personnes. Je dis beaucoup de personnes dans les jours à venir. Donc, s'il te plaît, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui regarde cette vidéo, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, réveille-toi et réveille-toi le plus vite que possible parce que la surprise serait grande et intéressante avec le projet TapSwap. Partage cette vidéo-là au maximum avec ton frère et ta soeur qui est en TapSwap pour qu'ils puissent comprendre que le projet TapSwap est en train de revenir. S'il vous plaît, c'est important. Je vais partager certaines analyses encore plus pointues dans le groupe VIP, pour ceux qui sont VIP. Pour être VIP, c'est simple. Clique sur le troisième lien, le quatrième lien en description de la vidéo, le troisième en description de la vidéo. Tu remplis ce formulaire et tu auras accès à notre groupe VIP et à certaines analyses importantes que nous ne disons pas ici. Et mieux encore, si tu veux être au parfum de l'information, notre channel est toujours disponible. On se dit à la prochaine vidéo. J'ai dit, reste scotché ici parce que très prochainement, je vais venir encore avec des nouvelles plus intéressantes et plus chaudes pour toi, comme tu les aimes. À la prochaine vidéo et ciao.